Folk cosmique, si je puis dire, j'ai inventé ce terme parce que c'est inspiré de la physique quantique, c'est une exploration poétique de la théorie des mondes parallèles. Donc voilà, comme raccourci, je trouvais que folk cosmique pouvait éventuellement évoquer cette idée-là. Tous les sons sont générés par nos propres instruments ou bien des enregistrements trouvés, des vieux vinyles et aussi des enregistrements de l'espace, des planètes, de la Voie lactée. Donc voilà, il y a des enregistrements qui se trouvent sur NASA. De ces sons-là. Alors, ce ne sont pas des vrais sons parce qu'il n'y a pas de bruit dans l'espace, mais ce sont des vibrations que des scientifiques ont mis des fréquences dessus pour évoquer ce que ça pourrait être, le son ou la musique ou le bruit du cosmos. C'est une interprétation de la réalité proposée par un scientifique qui s'appelle Everett. Mais c'est une des explications pour des expériences de la physique quantique qui décrit une réalité qui est totalement contre la réalité que l'on observe. Voilà, c'est une théorie qui est tout à fait vertigineuse et époustouflante, mais voilà, ça reste une théorie et mon album reste une exploration poétique de cette théorie. Voilà, chaque choix qu'on prend dans cet univers, bah, on aurait fait autrement dans un univers parallèle. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe ici, bah, ça se passe autrement dans un monde parallèle. Ça, c'est en gros la théorie. Donc moi, je me suis interrogée sur l'hypothèse de, bon, à quoi ça pourrait ressembler une musique qui émane d'un univers parallèle où toutes les traditions musicales se seraient mélangées de façon différente que dans notre monde. Le hip-hop aurait côtoyé plus la musique folk ou la musique baroque se serait développée auprès de pratiques chamaniques pour créer un mélange qui est tout à fait différent que l'esthétique, les esthétiques et les genres qui se trouvent dans notre monde. J'adore souligner cette idée que, en fait, toutes les frontières qui divisent nos pratiques musicales sont totalement aléatoires et vraiment que liées à ce monde. Le P a été composé et tout l'album dans une aile abandonnée du château de Versailles. En fait, quand j'ai sorti mon dernier album Modern Ruin, il y a le groupe Saint-Michel qui a fait un remix d'un des titres et j'ai tellement adoré ce qu'ils ont fait que je les ai écrits et je leur ai dit que je cherchais une nouvelle équipe pour mon prochain album. Et donc ils m'ont donné leur adresse à Versailles et j'ai suivi le GPS et quand ils m'ont dit que je suis arrivée, bah, j'étais devant le château. Et Philippe Tullier, qui est le chanteur de Saint-Michel et le compositeur, il est en résidence là depuis plusieurs années. C'est l'ancien ministère de la Défense maritime sous Louis XV. Et donc c'est une partie du château qui se visite plus du tout, mais qui est 200 mètres carrés de son équipement, d'instruments trouvés, de tableaux et de sculptures qui ne trouvent pas de place ailleurs dans le château. Dans la pièce à côté, il y a les bouquins de Marie-Antoinette et la Duchesse de Berry, les portes de sa chambre. Donc c'est vraiment...
C'est un endroit où il y a plein de croisements de différents mondes. Donc, aussi la plus grande collection de livres sur le spiritisme en Europe. Donc, vraiment un mélange étonnant de choses, d'idées, d'objets. Et donc, c'est au sein de cet environnement-là que j'ai composé les chansons et qu'on les a produites avec Philippe Tuvier de Saint-Michel, Marc-Antoine Perriot, qui est un magnifique guitariste et compositeur aussi, et Nicolas Charlier, qui est batteur et programmateur de rythme aussi, enfin, un beatmaker. J'écris jamais tout d'un coup. J'écris un peu tout le temps pour un album. Ça arrive vraiment au fur et à mesure quand je suis dans des états vraiment différents ou inspirée d'un lieu ou d'une histoire ou d'un événement qui est vraiment différent. Et je suis aussi très inspirée par quand je voyage pour faire des concerts et des spectacles par les villes dans lesquelles je me trouve. Donc voilà, forcément, il y a une architecture, une atmosphère, une lumière tout à fait différente d'un lieu à un autre. J'ai rencontré Brendan par un magnifique guitariste et compositeur français qui s'appelle Olivier Mélano, qui a joué longtemps avec Dominica. Il a fait une carte blanche au festival Mythos de Rennes. Lors de cette carte blanche, on a fait une chanson ensemble avec Brendan, pas celle-là. Et en fait, j'ai cherché depuis longtemps quelqu'un avec qui faire cette chanson. Et quand j'ai chanté avec lui, ça me paraissait assez évident. C'était une référence pour moi. Dead Can Dance, c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté dans mon adolescence. Et on a fait ça dans son studio. Il a un studio en dehors de Rennes. C'était vraiment un grand honneur pour moi qu'il accepte de chanter cette chanson. Et en français en plus. Il ne parle pas vraiment français. Il développe donc une intelligence artificielle qui compose. Mais le résultat, c'est qu'il y a une série d'allers-retours entre un être humain et la machine pour générer une composition. Ce que la machine n'arrive pas à faire pour l'instant, c'est écrire des paroles qui nous touchent et de chanter d'une façon qui nous donne envie d'écouter. Donc ils m'ont sollicité pour écrire les paroles et pour interpréter la chanson. C'est assez controversé comme procédé, ça me fait aussi un peu peur, mais dans ce cas-là, je trouve que ça a été utilisé d'une façon assez artistique. Je pense que la machine va remplacer certains processus dans la création musicale. Enfin, c'est déjà presque le cas parce qu'il y a beaucoup de formules qui sont déjà très développées pour la composition de la musique pop ou la musique pop, je veux dire la musique pop FM, très 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 produite, très très réfléchie, très calibrée. Il faut que l'accroche arrive au bout de 11,5 secondes et que le refrain arrive à tel moment et que c'est déjà extrêmement codifié, donc on peut imaginer un jour que voilà, c'est quelque chose qui puisse être fait par une machine, tellement il n'y a plus la place vraiment pour la spontanéité et l'erreur humaine. Est-ce que l'être humain va totalement disparaître du processus créatif? Je ne pense pas parce que il nous faut de l'humain pour nous parler de notre expérience humaine. C'est en fait ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils doivent réinventer des lois, des lois de droit d'auteur. Je crois qu'il y a eu une nouvelle loi qui dit qu'il doit avoir, qu'il faut prouver le nombre d'allers-retours entre l'humain et la machine pour que l'humain puisse déposer l'œuvre
et avoir des droits d'auteur sur cette œuvre. Et je ne sais pas exactement comment ça va marcher, parce que souvent, c'est pas facile de quantifier un processus créatif et de dire bah, j'ai fait ça, et puis la machine a fait ça, puis j'ai fait ça. Je ne sais pas comment les gens qui utilisent cet outil pour composer, comment ils vont pouvoir prouver leur autorité. In the house of Scorpio, I try. J'ai fait des études de musique médiévale, ouais. À la Sorbonne, j'ai fait un master dans les femmes troubadours du 12e et 13e siècle. Elles étaient les premières compositrices de l'histoire de la musique européenne et parmi les premiers compositeurs de chanter à propos de l'amour profane. Et j'ai fait une reconstruction mélodique de leur chant perdu, parce qu'il n'y a qu'une mélodie qui a survécu, avec donc la musique et les paroles intactes. Donc mon album précédent était voilà, une sorte de recomposition fantaisiste de ces mélodies, pour couture à cordes et voix.